Nous sommes toutes les deux collègues et assistantes maternelles à la MAM chez Nounou. Et nous avons gardé il y a quelques années donc une petite fille qui a la mucoviscidose. Et nous faisions donc toujours la Saint-Nicolas tous les ans pour tous les enfants qu'on garde et qu'on a gardés. Et beaucoup de monde a demandé à venir voir les illuminations. Donc on a décidé d'ouvrir à tout public et afin de récolter quelques petits dons et pour en reverser donc à la mucoviscidose. Maison illumination sur laquelle on a commencé à travailler en septembre avec une équipe de 7-8 personnes où tous les ans nous essayons de renouveler et de créer de nouvelles scènes et de nouvelles illuminations afin de, pour le plaisir de nos visiteurs et de nos enfants qui viennent visiter. Alors, je dirais qu'on doit être à peu près dans les 10 000 LED et dans les 500 mètres de fil. De 300 multiprises. C'est un peu difficile à quantifier, mais au moins il y a ça. En fait, on accueille les enfants de 2 mois à 3 ans jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école. Et voilà, c'est pour. On est assistantes maternelles toutes les deux et on a ouvert cette MAM. On est assistantes maternelles toutes les deux et amies depuis très longtemps toutes les deux. Voilà. Et on a ouvert cette MAM il y a maintenant 3 ans à peu près, voilà, et on accueille tous nos petits bouts de chou jusqu'à ce qu'ils démarrent et qu'ils partent à l'école, et c'est que du bonheur, et ils sont contents aussi de participer à la Maison Illuminée parce qu'ils voient nos préparatifs et généralement, et voilà, on les fait participer, ils sont empressés que la maison ouvre ses portes. Donc c'est ouvert de 18h30 à 21h et il y aura le Père Noël tous les soirs de 19h à 20h. Voilà, les enfants pourront venir leur amener leur petit courrier. Et ils ont aussi la photo avec le Père Noël. Ils ont aussi la photo avec le Père Noël. Voilà, qu'on envoie gratuitement à tous les parents. Voilà. Je viens tous les ans ici, hein. Les illuminations m'attirent, je dirais plus il y en a, plus je passe de temps avec les enfants qui s'émerveillent. Et je viens récolter des listes aussi. On est en pleine fabrication des cadeaux et il faut récolter les demandes de nos gentils petits-enfants. On a de la chance, cette année apparemment ils sont tous sages. Là, on est, je dirais, dans la dernière ligne droite. Et mes lutins, comme vous avez vu un peu plus haut, sont en train de produire à plein régime. C'est une très belle soirée, c'est déjà une très bonne idée, c'est la deuxième année qu'on vient et on tenait à venir dès le premier jour cette année pour voilà, on revit la magie de Noël en fait, c'est comme un rêve éveillé, on retrouve plein de personnages de Noël et c'est voilà, c'est une très belle ambiance et de belles rencontres, donc voilà, c'est très bien. Ce très joli sapin qu'on a la chance d'avoir tous les ans sont offerts par les pépinières de la Rossa de l'Aigua qui participent tous les ans en nous amenant et nous le livrent même ici, ce beau sapin. À première vue, les personnels ont l'air d'avoir apprécié leur visite, d'avoir pu voir le Père Noël, d'avoir fait des photos. Je pense que les gens ici présents ont l'air satisfaits et contents. Qui est notre première récompense à nous, de voir voilà, ces gens satisfaits, heureux, avec le sourire, et les enfants avec plein de lumière dans les yeux. Alors toute la partie décoration, bon, il y a déjà un gros investissement personnel de nous et de toute l'équipe. Beaucoup de choses fabriquées à base de récupération, et ensuite avec nos partenaires. Différents partenaires qui sont Festilite, OEO Service, La Foir'Fouille, Stockholm-Lagnac, les confiseries de Gascogne pour le bonbon. Voilà. Donc les principaux partenaires qu'on a et qui nous ont bien aidés par des dons divers, ce qui nous ont permis de encore améliorer cette année le spectacle. Voilà. Après, on a eu quand même un gros investissement personnel au niveau des amis. Voilà, et puis ensuite, dans l'équipe technique, on peut citer Lucien, Cyril, Mélodie, Jean-Luc, Michel, Raymond, Michel aussi, deuxième Michel, oui. Et voilà, et après, tous nos enfants, Sébastien et Frédéric, Tony, Anaïs, voilà, tout le monde, tous nos enfants des deux côtés, donc, qui participent énormément donc, à la construction, à l'installation. Alors c'est clair que tout don ou tout partenaire sont des bienvenus parmi nous, pour nous aider à faire encore plus d'illumination, plus de scènes. Que ce soit des dons de toutes sortes, en illumination, en personnage, en jeu en bonbon, tout ce qui peut animer cette soirée et la visite et rendre agréable la visite à nos visiteurs. Joyeuses fêtes à vous et bonne Noël.